D'accord, tu prends tous les coups, voilà. Au moins blues est sauf. Je croyais aussi à tort que Guy allait se prendre moins de coups, puis c'était D'accord qui allait s'en prendre le plus, mais en fait non. Je n'ai pas donné la bonne position. C'est pour ça que Guy se faisait malmener autant que ça. J'hésitais un peu, mais oui, on va utiliser le regain. Pour vous montrer. Ça l'a fait revivre sans toutes ses PV. Quand même, il y avait le 1 tiers. Je sais pas si c'est le 1 tiers pour tous les niveaux. Peut-être. Je suis pas mort assez souvent pour m'en rendre compte. Utiliser regain, c'est quand même exceptionnel. Habituellement, je garde toutes mes... tous ces objets-là pour la fin du jeu. On voit que Guy me casse complètement la gueule. Ah, 126. 123. Regain. Quelle chance. Le même objet que j'ai utilisé il y a même pas 2 minutes. Ah. Si vous voulez XP, je vous conseille de le faire contre ces ennemis-là. Surtout, pas pour l'XP en particulier, mais parce qu'ils peuvent dropper des Deadly Armor. Ils peuvent appeler des Deadly Shield. Évidemment, D'accord, j'ai gaspillé son Thunderball parce que de toute façon, son attaque normale, les one-shoot, vu qu'il y a la Thunder Axe, c'est l'élément, fait que ça les massacre. Voilà les deux autres gars. Vous pouvez aussi aider énormément en donnant le Undead Ring. Avec le Undead Ring, ça les massacre. Phaser Shield. C'est le meilleur bouclier pour D'accord. Personnellement, il y a assez de défense, fait que vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre si vous voulez. Ben, favoriser D'accord. Dépend de votre style de jeu. Trois coffres. Dont un d'utile, paquet d'ennemis, fuck l'autre. Je dirais que l'arme de Guy est puissante comme ses ennemis. Bang. 312, et oui, D'accord vient juste de dépasser Guy. D'accord veut juste aller en s'augmentant avec les niveaux. Level, D'accord level 20 est aussi puissant que Guy ou Maxime level 30. Mais il a une meilleure arme, fait qu'il est encore plus puissant qu'eux.
blaze, toujours aussi utile. Quand même les trois meilleurs attaquants du jeu, fait que c'est plus facile que le donjon d'avant. Pumpkin Joel.